Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as? Comment est-ce que tu t'es blessée? Bindu, oui? Va tout de suite chercher une plante médicinale. Ça te fait mal, n'est-ce pas? Est-ce que je dois faire une prière? Si cette blessure te rend impuissante, qu'au moins la douleur disparaisse. Excusez-moi! Excusez-moi! Je te remercie, Seigneur. C'est le matin, c'était juste un rêve. Maro, ma chérie! Oui, ma tante! Fais-moi du thé, s'il te plaît. Ok! C'est le BSD le responsable. Après ce carnage, ils n'ont même pas fait le nettoyage. Ce sont des monstres. Est-ce que tu as fait un cauchemar?
L'officier du BSD. Il a mis le feu tout d'un coup. Mais pourquoi tu ne te défais pas de tes peurs, hein? Tu sais, ma petite chérie, les BSD ne peuvent rien tant que Monsieur Tejawar est en vie. Je sais, ma tante. Mais si c'était juste un rêve, j'aurais fait des efforts pour m'en défaire. Mais la peur est ancrée dans mon cœur. Et je n'y peux rien. Comment est-ce que je peux oublier que c'était les officiers du BSD qui ont tué mes parents? Il faut que tu changes ta façon de voir les choses, Paro. Ma chérie, le feu n'est pas seulement lié à la mort, mais il est aussi lié à de belles choses. Le feu nous connecte à Dieu. De plus, le feu est lié au mariage, ok? Paro, écoute-moi. Attends-moi une seconde. Tu connais la nouvelle? Mais où est-ce que tu vas comme ça? Tu dois très bien t'habiller aujourd'hui. Binti doit déjà être en route. Bien. Ok, bien. Oui, porte ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois beaucoup de peur dans tes yeux, ma chérie. Je t'ai déjà donné une solution. Tu vois, il faut souvent tenir ce Rudraksha fermement, ok? Cette fois, c'était différent, ma tante. C'était réel. Je pouvais voir la couleur de ses yeux. Des yeux rouges. Ils étaient si ardents. Si effrayants. Monsieur, 5 terroristes ont traversé à l'instant nos frontières et viennent d'entrer dans notre nation. Monsieur. Quoi encore? Ils ont assassiné nos 5 soldats. Où est Rudra? Monsieur. Où est Rudra Pratap Ranavat? Regardez Santori, vous avez vu ce qu'elle a porté? Je l'ai vue porter des bracelets de cheville, comme si elle allait bientôt se marier. Je ne ferai plus confiance aux dieux si un jour elle se mariait. Ne t'en fais pas, Bindi. Cette fois, la chance est de ton côté. Je sais, je serai mariée dans moins d'une semaine. Et Monsieur Thakur va tout faire pour m'arranger un mariage digne d'une princesse. C'est ça. Et l'an passé, tu as dit la même chose. Et alors c'est arrivé? Il a choisi Nandu. Et ils se sont mariés. Et elle nous a carrément oubliés d'un coup. Si un jour je me marie, j'irai voir Nandu pour la réprimander. Oh là, oh là! Elle doit être vraiment remontée, hein?
Elle pense pouvoir trouver un mari aujourd'hui, comme par magie. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hé, hey, ne t'inquiète pas. Je serais vraiment contente si on te choisissait, hein. Allez. Oui, allons-y. Tiens, on dirait que la prière est finie. C'est bizarre, le temple a l'air fermé. Venez, on va voir. Ram, mon seigneur, choisis Paro aujourd'hui. Retiens son nom. Paro, Paro, n'oublie pas. Non, non, seigneur Ram, choisis-moi aujourd'hui. Gantu, appelle-moi Gantukni. Paro, 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 Paro. Monsieur Thakur. Il faut prier avec dévotion et je suis sûre que tu te marieras. Venez par ici, Dieu exaucera vos prières. Entrez, c'est par là. Bonjour, Dieu Shiva. Vous connaissez les rituels? Bien sûr, Panditji. Viens, entrons. Quel est le problème? C'est Narpat Singh. C'est un habitant de notre village, mais il est aussi informateur du BSD. Il les informe toujours de tout ce qui se passe ici au village. Écris tout ton prénom. Paparo Parvati. Madame Thakur. Vas-y. Je vais prier pour que le dieu Shiva choisisse ton bol. Dieu a un plan pour tout le monde. S'il vous plaît, écrivez vos noms sur chacun de vos bols respectifs. Vous serez mariés dans une semaine. Si le dieu Shiva vous bénit. Le bol doit être rempli. Faites la queue par ici. Si votre bol est choisi, votre fiancé viendra soudainement tout droit des dunes. Votre Altesse. Monsieur Narpat Singh.
Un homme devrait au moins respecter la terre qui le nourrit. Vous l'avez oublié. Pardonnez-moi. J'ai commis une erreur. Pardonnez-moi. Je pense que j'ai dû me tromper. Vous savez, je me bats pour le bien-être de ce village. Mais vous me faites croire qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors sinon, pourquoi informeriez-vous le BSD ? Non, mon Altesse, non ! N'avez-vous aucun respect pour... mon amour ? C'est bien ça ? Je vous jure, mon Altesse, c'est pas vrai ! Si, c'est vrai ! C'est la vérité, monsieur Narpatsing ! Je vous ai aidé pour vos enfants. J'ai marié les filles du village. J'envoie les anciens en pèlerinage. Comment pouvez-vous me trahir ainsi? Mon Altesse, je... Pourquoi êtes-vous loyal au BSD? Voilà maintenant, ils vous ont jeté comme on jette une serviette après l'avoir utilisée. Mon Altesse, oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'implore votre miséricorde. Aujourd'hui est un jour très spécial. Un jour où brillent les lampes. Je ne veux pas de sang dans la maison de qui que ce soit. Allez, partez. Monsieur, monsieur. Mais, monsieur Narpatsing. Oui, monsieur. Ne faites plus cette erreur. Je ne la ferai plus, mon Altesse. Bien, je vais vous soulager. Tu es fou? Tu n'as donc rien écouté? Aucune famille ne sera endeuillée aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Il va juste vivre dans la mémoire de ses proches à tout jamais. Non, surtout pas! Non, Dieu Shiva, non! Paro, le bol de Paro! Dieu Shiva, choisis mon bol! Oh là! C'est Paro! Moi. Non, Dieu Shiva, pas moi! Paro, Paro! Pas là-bas! Allez, choisis-moi! Non, Dieu Shiva, non! Paro, Paro! 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 Dieu Shiva, choisis Paro! Tu te marieras dans une semaine! Paro va bientôt se marier! Je le savais. Je savais que j'accomplirais ce que j'avais promis à ta mère.